Cette citation. Thème, violence. 1. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Albert Einstein. Albert Einstein exprime ici son aversion pour plusieurs choses. Il déteste le fait de devoir agir de manière héroïque sur ordre, car il estime que cela ne devrait pas être imposé, mais plutôt venir naturellement. Il condamne également la violence gratuite, c'est-à-dire l'usage de la force sans raison valable. Enfin, il critique le nationalisme excessif et irrationnel qui peut mener à des conflits et des guerres. Pour Einstein, la guerre est une chose extrêmement méprisable, car elle entraîne destruction. Souffrance et mort, et ils prônent plutôt la paix et la coopération entre les peuples. 2. Plus la population s'accroît, plus la cruauté envers les souffre-douleurs augmente. Bernard Verber. Cette citation de Bernard Verber signifie que plus il y a de gens dans une société, plus il y a de risques que certains individus soient maltraités ou soumis à de la cruauté. En d'autres termes, lorsque la population augmente, il peut y avoir une tendance à l'augmentation des comportements cruels envers les personnes vulnérables ou considérées comme des boucs émissaires. Verber souligne ainsi le lien entre la croissance démographique et l'augmentation potentielle des actes de cruauté envers les individus les plus faibles. C'est par la violence que l'on doit établir la liberté. Jean-Paul Marat Cette citation de Jean-Paul Marat signifie que selon lui, il est nécessaire d'utiliser la violence pour instaurer la liberté. Marat était un révolutionnaire français qui croyait que pour renverser un système oppressif et obtenir la liberté, il fallait parfois recourir à des moyens violents. Il exprime ici son opinion sur la manière dont la liberté peut être obtenue, en soulignant que la violence peut être un moyen justifié pour atteindre cet objectif. 4. La violence n'est pas un moyen parmi d'autres d'atteindre la fin, mais le choix délibéré d'atteindre la fin par n'importe quel moyen. Jean-Paul Sartre cette citation de Jean-Paul Sartre met en lumière sa réflexion sur la violence. Il souligne que la violence n'est pas simplement un outil parmi d'autres pour atteindre un objectif, mais plutôt un choix délibéré de parvenir à cet objectif par tous les moyens possibles. En d'autres termes, Sartre met en garde contre l'idée que la violence pourrait être justifiée ou légitimée comme un simple moyen pour parvenir à une fin. Il met en avant le fait que recourir à la violence implique une décision consciente et délibérée de choisir cette voie, quelles qu'en soient les conséquences. 5. Il ne s'agit plus de choisir entre la violence et la non-violence en ce monde, mais entre la non-violence et la non-existence. Martin Luther King cette citation de Martin Luther King souligne l'importance de la non-violence dans notre monde. Il affirme que le choix n'est plus entre la violence et la non-violence, mais entre la non-violence et la non-existence. En d'autres termes, King met en avant que si nous continuons à utiliser la violence comme moyen de résoudre les conflits, nous risquons de nous détruire mutuellement et de disparaître en tant qu'espèce. Ainsi, il appelle à privilégier la non-violence comme seule alternative viable pour assurer notre survie et construire un avenir pacifique. 6. Ce n'est pas la violence qui dompte la haine, ni la vengeance qui guérit l'injure. Charlotte Bronte. Cette citation de Charlotte Bronté signifie que la haine ne peut pas être surmontée par la violence, et que les blessures causées par les autres ne peuvent pas être guéries par la vengeance. En d'autres termes, répondre à la haine avec plus de haine ou chercher à se venger des offenses ne mène pas à la résolution des conflits. Au contraire, pour trouver la paix et la guérison, il est souvent nécessaire de faire preuve de compréhension, de compassion et de pardon envers ceux qui nous ont blessés. 7 La brutalité est le recours de ceux qui n'ont plus de pouvoir intérieur. Anne Cette citation d'Anne signifie que la brutalité est souvent utilisée par ceux qui se sentent dépourvus de pouvoir intérieur. En d'autres termes, les personnes qui se sentent impuissantes, incapables de contrôler leur propre vie ou émotions, ont tendance à recourir à des actes brutaux ou violents pour compenser ce manque de contrôle. La brutalité devient alors un moyen de montrer une forme de pouvoir, même si c'est de manière négative et destructrice. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.